Salut à tous, c'est Anonymat, ou Mode comme vous voulez. Hein. On se retrouve dans Far Cry pour l'épisode 8, si je dis pas de bêtises. C'est quoi tu vas y passer, connard? J'ai plus de balles. Non, c'est ça, non. Je suis actuellement sur un nouvel ordi et donc je n'ai pas les mêmes touches. Faudrait que je m'habitue un peu, hein. Je sais que je peux les changer mais je vais essayer de m'habituer à celle-ci. Je sais plus où on s'en était arrêté la dernière fois que j'avais fait un épisode. J'ai remis des balles. Mais donc là j'avais envie de recommencer, surtout que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Que maintenant je peux tourner dans d'agréables conditions. Et du coup vous voir dans d'agréables conditions. Tac. Alors, normalement le jeu est en ultra, donc on devrait le faire. Hop. Je voudrais parler de quelques trucs au niveau du 100%. Je ne sais pas si finalement je vais le faire. Je pense que oui, parce que c'est pas très très compliqué. Là, je pense que je vais vous faire un bon épisode d'une heure. Comme ça, vous aurez un max de trucs. J'espère que le son est bien record, tout ça, on verra bien. Sinon, je n'ai pas envie de le retourner. Là, c'est détente. Je n'en avais pas fait depuis longtemps. J'en fais un gros. Attendez, je vais faire un truc quand même, c'est que je suis passé en mode plein écran là. Tac, j'espère que ça se voit pas. Non, normalement ça se voit pas avec Frost. Mais voilà, là c'est plus agréable pour moi. Attendez, est-ce que en qualité vidéo personnalisé. Oui. Ça c'est élevé. Merde, élevé. Très élevé. Bon, ultra, on va voir si ça me fait laguer ou pas, mais normalement ça devrait aller. Ultra. Ok, station. Terrain. Élevé. Très élevé. Élevé. Voilà, normalement, c'est bien. Désolé de faire les réglages, hein, mais. Je sais pas combien de FPS je suis du coup. Mais... Voilà. Sachant que j'ai déjà fini Far Cry dans ma partie solo. Je dois chasser ce truc. De toute façon j'ai plus de balles donc on va essayer d'aller voir. Oh, une tortue. Attendez. J'essaie de voir si elle ressort sa tête. Alors, on va fixer un petit point sur la carte. Oui, c'est le bordel, là, effectivement. Bah tiens, on va prendre cet avant-poste. Bon, sans munitions, ça va être un peu dur, mais il y a moyen. Je suis sûr, il y a moyen. Je sais pas en quelle difficulté on est. Maintenant. Voilà, on va attendre. Je vais essayer quand même de préserver un peu la nature, mais... Oh, alors, par contre, les casseurs, je me suis tellement pris dans ma première partie que... Non, pas grave. Allez, putain, j'arrive pas. Ça glisse trop. Non, non. Bon, bah deuxième service pour les tortues. Non, ça. Destructeur de forêt. Oula. Ah ouais, putain. Je savais même pas qu'il y avait une animation comme ça. Waouh. Oh, là, je m'arrête pas là. Un petit brunet. Ça passe là. Ça passe. Ça passe. Ça passe. En roue arrière, non. Oh, cassez-vous les barrières. Heureusement que j'ai le truc pour net. Je suis sur une barrière, là, vous êtes sérieux? Y a pas moyen de péter la barrière? Merde, 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 non. Bon, bah... Vite. Ah non, il faut que je pète, là, vite. Il faut mon arme. Faites la barrière, faites la barrière.
Bon, j'ai une autre solution, mais je sais pas si ça va marcher. Je peux le réparer là? Non. Bon, bah tant pis. Des fois ça marche, hein. Des fois le truc reste intact et qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ouais, des fois le truc reste intact et du coup vous pouvez le réparer après, même s'il a été... Oula. Là je vais mourir. Ah, je vais vous enflammer. Ah, presque. Non, c'est difficilement possible sans armes. Bon, je vais gambader, je vais essayer de pas trop faire de conneries. Pire, j'essaie de couper tant bien quand même. J'ai vraiment aucune autre arme. Ok, j'ai ça, j'ai un peu de munitions. Je vais quand même essayer de prendre l'avant-poste. Là, il est où l'avant-poste? Il était juste avec ça tout à l'heure? Ah oui, j'étais là, c'est vrai. Ok. Alors... l'idée, là, ça va être de se mettre accroupi. D'aller virer... Putain, il y a les chiens, par contre. Ça je m'en rappelle, c'est toujours la même touche. Je sais pas où t'es le chien, mais tu vas là-bas. C'est un ennemi ça? Pas les renforts au moins. On va lâcher le tigre là. Je vais mourir. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Allez, casse-toi. Fou pour faire ce métier. Bon, les clubs me suivent plus, je crois. Vraiment que j'ai une autre arme. On n'en voit pas tout le temps, je vais la prendre. Non mais dépêche-toi. Mais pourquoi ça n'a pas fait l'élimination? Je le vois pas. Il est où? Non, pas ça. Prends l'autre. Prends l'autre. Prends l'autre arme. Ok, là il y en a. Ok, toi, c'est bon. C'est vachement bruyant ce que je fais. Hein. Mais en même temps, il est où là? Il est là. Bah voilà. Je savais que c'était possible. Full nawak, ça passe. J'ai envie de faire un peu d'histoire, mais avant ça on va acheter des munitions là, parce que c'est pas comme si j'avais plus rien, mais c'est un peu ça en fait. On fera la chasse peut-être, sûrement qu'on la fera. Tac. Tac, putain. Vous pouvez pas savoir le changement que ça me fait moi, quelques... au niveau de la beauté du jeu, c'est assez impressionnant. Alors, munitions. Tac. Hop. Bon, ça me coûte un peu cher quand même. Alors, qu'est-ce que je peux acheter d'un peu mieux là? 2000, MP5. Est-ce que j'ai des armes signatures? Non, j'ai ça en stock, j'ai l'arc en stock. Je pourrais prendre l'arc. Bon, je suis très mauvais à l'arc, mais ce sera
sera toujours mieux que rien. Le lance-flamme, non, ça va me coûter bonbon, question de munitions. Lanceur, non, je pense pas. Un sniper, ça peut être pas mal ça. Hop, équiper la place de ça. On va garder un fusil d'assaut quand même. Bon, en fait la K était bien. Hein. J'aime pas l'autre mitraillette qui me donne quoi. MP5. Oups, je fais exprès. J'ai fait exprès, j'ai dit. Attendez, j'ai un problème de zone. Ouais. Attends, pourquoi c'est une mitrailleuse légère ça? Je peux le passe. Enfin je trouve pas ça très léger. Ah oui non parce que c'est une mitrailleuse, oui, d'accord. Tiens, ah oui, je pourrais acheter des cartes. Ouais, ça je vais les commencer à les acheter maintenant parce que ça coûte un peu cher quand même. Et comme ça je pourrais tout de suite ramasser tous les petits trucs. Voilà, sinon je crois que je suis bon. Hein. Je vais quand même reprendre la K. Qu'est-ce que je dis moi? Tiens, non, tiens, on va prendre le MP5, je suis en vie. Enfin, là, MP5 plutôt. J'en sais rien. Et on se casse. On va faire la chasse. Ah bah tiens, si on fait la chasse, ça me donnera une arme. Je pense que c'est rare. Un taxidermiste, un tapir à ventre blanc. En plus avec un arc, donc ça veut dire que je ne perds pas de... Très bien. Contre cette bagnole, toute prune, mais c'est pas grave. Et c'est parti. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. Là. Ça passe pas. Non, de toute façon, il n'y a que certaines rivières qu'on peut passer sous l'eau. En fait, ça m'est arrivé qu'une fois, mais... Je suis rentré à fond dans l'eau, je suis ressorti de l'autre côté. Ah, attendez, faut juste que je fasse un réglage, je refais. Et voilà. Ok, non, ça n'a pas marché ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi. Bon, bah, je reviens. Merde. Attendez. Ça va marcher. Je reviens. Alors, ok, donc mon bouton d'enregistrement, c'est le même bouton que les sauvegardes, ça va pas le faire ça. Et on doit chassoer du chassoer. Oui, on doit chassoer. On doit chasser du tapir à ventre blanc. C'est-à-dire que je vais taper tout ce qui bouge. Dans ma dernière game, enfin solo, je m'étais pas trop occupé des plantes. Je crois que ces trucs, ça donne... l'instinct de chasse, je sais pas quoi. Répulsif animaux. Non, je veux pas un répulsif. Je veux un répulsif. Bon, de toute façon, on va bientôt être dessus. Hein. Ça prend trop de temps, je verrai. Alors j'ai le sac plein. Putain, c'est quoi ces conneries? J'aurais dû les vendre tout à l'heure. Je vais confectionner en fait. Chasse. Qu'est-ce que je peux faire? Instinct du chasseur, c'est bien ce qui me semble. Voilà, ça me fait de la place. Tapir. Dégueu. Ça c'est du tapir normal. Ok. Tapir blanc, je sais plus à quoi ça me sert. Chasseur. Enfin, plutôt en mode photographe touriste, mais un tapir normal, ça. Bon, je tue, on verra bien. Voilà.
de ma gueule, il me dit que c'est pas le bon. Bon, je le prends quand même, je crois que ça me sert à quelque chose de tapir. Ah ouais, je me disais aussi. Ah bah c'est cool parce que... Ça c'est vraiment cool. Ok, le sac à butin, ce sera de la peau de dingo. Tiens, je vais regarder ce qui me manque. Holster d'armes, il me manque quoi. Peau de requin, bon on verra plus tard. Scooter de mer, là j'irai le prendre. Je pense du bruit. Et on voit des... Oh non. J'ai vu quelque chose, mais... c'est un dragon de Komodo. Alors, Where are you? Young animal of the forest, in the forest. Merde, je suis sorti de la zone. C'est pas trop passionnant, quand je l'ai trouvé, je reprends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, quand je l'ai trouvé, je reprends. J'en ai un, mais je sais pas si c'en est un en fait. Je crois que c'est pas le bon, parce qu'il me dit à chaque fois l'animal rare doit être tué. Je prends quand même. C'est pas possible, il est où ce truc? Bon, je re après. Si je suis en ce message, il faudrait que je change de touche de record. C'est toujours pas le bon. Hein. Si je peux pas savoir si c'est un ventre blanc ou pas, hein, parce que malheureusement, ils marchent sur leurs pattes. Oh yes, un carquois robuste. Bah, c'est génial la peau de tapir. Hein. Ça aura... Peau d'ours. Ah, j'en ai? Oh yeah. Carquois amélioré, mangeur de requins. Bon, on verra plus tard. mangeur de requins, puis je dis n'importe quoi. Mangeur de requins, mangeur de... Putain. En fait, j'ai fait des potions, mais des potions. Il faut que je sois plus RP, là, parce que... Alors, assigné à l'emplacement. Utilisé. D'accord. Ça me sert à quoi, ce truc, déjà? Putain, du chasseur. Ça me sert à quoi? Je vois les... Je vois rien du tout. Moi. Bon bah je fais encore une petite coupure, comme ça je change ma touche de... record. Je reviens. Voilà, maintenant, la touche de record ne bug plus. C'est joli ça, moi j'aime bien. Donc ça me commence à me casser les couilles en fait, pour être précis. J'aime pas trop attendre, je pense que c'est pas super génial pour vous. Ma touche échappe à des petits bugs. Je vais n'importe où, moi je vais dans confection. Chasse. J'ai pas compris comment ça marchait. Vous pouvez localiser les animaux à l'odeur. De plus, les animaux farouches ne fuient pas lorsque vous en approchez. Silencieux là, c'est bon. Allez, je sais que ça m'énerve, mais coupure, hein, ce sera mieux pour vous. Trop de coupure, tu la coupure. Ça y est, je crois que je l'ai. Si c'est pas lui, je me tue. Ouais, je l'ai eu. Ouais. J'ai craqué. Ah, bah, il m'a fait chier celui-là. Ça, c'est fait. C'est fait. Me tenez l'enquête à Bad Town. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce que c'est ça? Je
non, le chat il s'assouplit. Le chat. Le tigre il s'assouplit. Je vais regarder ce qu'il nous manque comme peau de bête. Comme ça au moins je fais un peu l'inventaire. Alors, donc, portefeuille. Il nous faut du requin. Donc requin, il faudra que j'aille en chercher un jour. 5 à butin. Il nous faut du dingo, ouais. Kit de seringue, il nous faut du chien. Donc chien, ce sera pour bientôt. Après, cartouchière, sanglier, sac à projectiles. Commodo de sang, donc ça sera pas pour tout de suite. Ça, il faut du cœur de chef. Sanglier, donc sanglier et requin, là, ça va être tout mal. Flèche spéciale. Pourquoi pas. Bon, j'en ferai tout à l'heure, peut-être. On va se fixer un nouvel objectif, j'ai envie de faire un peu d'histoire là. Where is l'histoire? Ok. Téléportation. Normalement, le temps de chargement ne devrait pas être trop long. Je ne coupe pas. Bon, j'espère que tout va bien. Que vous vous emmerdez pas trop devant l'épisode. Que ça rentre bien sur cette ville. C'est bien celle de mon rêve. C'est franchement pas la fin. Harry va nager dans 2 cm d'eau, c'est quand même sympathique. Alors... LOL. Tu dis rien toi? Putain les yeux qu'elle fait. Attends, c'est moi ou... Je sais faire plaisir aux mecs. D'accord, c'est franc. Hein. C'est ici. Et toi là? Tu te fais l'air. Ah ouais, t'es quand même fort, hein. Tu bois avec ton nez toi. Ouais. Moi je respecte. On va trouver l'homme en blanc. Toi, je sais pas ce que t'as bouffé, mais t'as l'air bien. Ouais, du poker. J'aime bien le poker. T'as entendu parler de biquette? Ta gueule avec ta biquette. Tu racontes toujours cette histoire quand on joue. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Biquette s'est échappé de la prison de Vass, et en moins de 2, il massacrait tout le monde à la machette. Ah, c'est la version la plus nulle que j'ai entendue. T'as ruiné la chute. Va falloir que Hoyt s'en occupe, enfin, si c'est vrai. Hoyt en fera qu'une bouchée de ce type, c'est sûr, il lui fera bouffer sa propre machette. Il a déjà fait ça avec le patron de la mine. C'est un artiste, Hoyt. On va trouver autre chose. J'ai pas raison? À quoi il ressemble déjà, ce type? Tapis. Hein? Ah. Non, parce que des fois, on peut faire des vrais parties. Bien joué. J'ai même pas regardé le jeu. Mais c'est le type de ma visite. Une blague. Il va m'emmener tout droit à qui? C'est Oliver. Il est où là? Ah, sans se faire repérer. Oh, ok. Et là, je vais me faire repérer. Oh, je crois qu'elle est... C'est la clé de ma vision, c'est sûr. Allez, avance, mec. Faut pas qu'il voit. C'est quand même pas que t'es suivi. Citra a intensifié ses attaques. Pourquoi? De vieilles rancunes. Oh, et t'as fait Havas, argent et pouvoir. Moi, j'aurais fait pareil. Je vais essayer de lui jeter une pierre à la gueule. C'est pâté. Je crois que je peux pas. Regardez, c'est bien en vue. En vue là. Ah, tu te merde. Gardons notre calme et occupons-nous des problèmes un par un. Reste en mode ninja. Le voir, la saison est pas finie. Ninja, 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 plus de risque, ninja, ninja. Ninja, est-ce que je peux... Ninja, ninja va s'arrêter. Ninja s'arrête. Je sais pas ce qu'elle dit. Mais je m'envoie, je te mets. Tu veux pas? Face de toi, je travaille. Comme tout le monde. Non, ça non plus.
possède. Ok, là, je sens qu'il va se retourner faire un coup de pute. Coucou. J'ai le temps. Demande autour de toi, allez, demande. Tout le monde te dira pareil. Oui. Que je suis honnête. Hein? Et que ma parole est lâchée. La moins chère. Ninja là, ninja comment là? Je me sens pas bien. Ninja rien du tout là. Tu veux des médicaments? Non, je t'en prie. Prends tes médicaments. Faut que je suive. Si tu me mens encore une fois, je déconne pas. Mets un terme à cette stupide merde. Elle est malade ou quoi elle? Ah, il est prise de risque. Prise de risque. Je suis caché, tu me vois pas. Tu me vois pas. Là, là, là. Ça m'a l'air douteux là. Nage pas s'il te plaît. Ok. Allez. Je lâche une aile. Je sais qu'il faut que je le suive. Tu crois quoi? Bon, j'ai jamais fait de jeu d'infiltration ni de espionnage, mais... Hein? Arrête de prendre des mines. Pourquoi tu prends des mines? Bon, là, je suis carrément visible, hein, puisque si je le vois, ça veut dire qu'il me voit aussi. Mais bon. Attends qu'il ferme la porte. Enfin, plutôt qu'il... Pour me dire qui vous êtes avant que le C4 qui est sous la table ne vous éparpille sur les murs de la pièce. Ça va faire. Mon Dieu. J'en doute. 5 secondes. Jason Brody. Vraiment? Oui. Alors c'est vous, Biquette. C'est si je dis oui ou non que vous faites tout péter? Pragmatique, c'est prometteur. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes un patriote, Brody. Pas le branleur qui se contente de mettre la main sur le cœur en mangeant des hot dogs devant le baseball. J'ai là Excusez-moi, mais c'est fichtrement trop facile. Pas le baseball. Non, celui qui tète les miches de Lady Liberté. Celui qui, apprenant que son frère est mort, voilà, demande d'abord. On a gagné. Celui qui se paluche quand il entend le mot victoire. Alors, vous êtes un vrai patriote ou vous êtes un de ces 68 arts qui pleurniche quand il n'y a plus de céréales bio au magasin? Un vrai patriote. Bingo. Voilà ce que je voulais entendre. Ah, au fait, Vas tient votre ami Oliver Carswell, et je me rapproche de Keith Ramsey. Vous leur voulez quoi, au juste? C'est mon boulot de tout savoir sur cette île. Je peux vous aider, mais il faut jouer avec mes règles. Et là, je cherche quelque chose. On peut se rendre des services. D'accord. Ah ouais, d'accord. Carrément, le mec. Jason. Oui, c'est moi. Vous êtes qui? Une sorte d'espion? Je vais ni le confirmer ni le nier. Non, je me fous de ta gueule. Je travaille pour l'anglais, agent Willis Huntley. Oh, génial. J'ai besoin de l'aide de l'armée et du gouvernement. Pas question. Je suis infiltré et je n'ai aucun contact réel avec l'agent. Je suis tellement infiltré que je t'ai suivi, mec. Mais bon, non, tu savais que j'étais là. Vous rigolez ? J'ai toute une équipe. Ils sont sur le terrain, mais ils vont revenir. Ils viennent d'envoyer ces scans qui vont foutre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Je peux rien vous dire, top secret. Mais croyez-moi, c'est un gros truc. Ouais, sans doute. Mais je manque encore d'infos. Prise à la source. Flammenwerfer. Un lance-flamme. Cette merveille est une invention des frisés. Je me rappelle de cette mission. Hoyt Volker est le patron d'une vieille connaissance à vous, Vass. On sait également qu'il dirige un gigantesque réseau de trafic d'esclaves dans tout le Pacifique, sans oublier qu'il cultive de la drogue. Si on incendie ses champs et son bateau, il se réfugiera sur cette île. J'aurai ce que je veux et il crachera le morceau à propos de vos amis. Capiche? Je pense que c'est réservé aux citadins, ce truc. Y a qu'eux qui disent ça. Autant qu'ils repeignent toujours tout en doré, on se comprend? Ah, au fait, voilà le jouet. J'ai bien hâte d'essayer ce truc. C'est tout ce que je voulais entendre. Mais souviens-toi du bateau. Ok, compris. Je vous fais confiance pour les infos sur Hoyt. The Cenerade, Fire Brigade, Just for Romania. J'ai que ça à dire. Est-ce que j'ai la bête avec moi?